Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais pour calculer ma fin de mois. Voilà, nous sommes le 25 janvier et c'est le moment de faire la fin de mois pour tous les parents. Donc du coup, je vais essayer de vous présenter cas par cas, moi, mes contrats et du coup, vous expliquer un petit peu ce que je fais tout en gardant des données confidentielles. Voilà, bah écoutez, je vous laisse regarder le jingle et on se retrouve dans un instant. Voilà, nous nous retrouvons. Du coup, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment je fais. Donc, on est au mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai eu des absences pour maladie, mais je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. Donc, généralement, à partir du 25, la dernière semaine du mois, selon les enfants que j'ai et ou que je n'ai pas, eh ben, je vais faire la fin de mois. Donc, moi, mes contrats, tous mes dossiers sont dans des petites pochettes comme ça. Donc là, j'en ai un. Donc là, c'est un enfant. Ça, c'en est un autre. Je vous les montre à l'envers parce que je sais pas. Moi, j'ai toujours. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai toujours une photo, voilà, avec le nom de l'enfant et tout ça. Donc là, j'ai pas envie de vous montrer, mais voilà, je fais des petites pochettes avec, avec le nom de l'enfant, la photo de l'enfant. Je trouve ça plus sympa. Ils ont chacun leur couleur. Donc ça, c'est un autre enfant. Et ça, c'est la petite dernière qui est arrivée. Du coup, moi, j'ai un gros dossier où je classe toutes mes affaires. Donc j'ai un dossier où je classe tous mes contrats. Ben, mes contrats. Mes contrats vierges. Mes feuilles de présence, vierge, tout ce qui est mes agréments, mes assurances, voilà, tous mes papiers en relation avec mon travail, du coup, je le place. J'ai aussi un calendrier comme ça, un gros calendrier sous main. Je trouve ça vachement pratique parce qu'on y voit plus clair. Et j'en ai un plus petit. Donc, sur le plus petit, c'est très simple. Je note en jaune. Je note en jaune, en fait, toutes les absences que j'ai. Voilà, de tous les contrats, comme ça quand on m'appelle, je prends le tout petit et puis je regarde, là j'ai de la place, j'ai pas de place. Pour visualiser, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc je sais pas si vous voyez. Voilà. Et les petits bâtons que vous voyez, c'est le nombre de places de disponibles. Donc voilà, là j'ai marqué hein, vacances nounou, donc c'est assuré. Voilà. Place dispo, c'est ici, donc j'ai surligné. Et nombre d'absences, donc ça veut dire nombre de places disponibles. Voilà, donc moi j'utilise un petit sous-main comme ça, j'ai trop de la chance. C'est une maman qui me donne ceci, les plannings, donc du coup c'est plutôt chouette. Et après derrière, je vais avoir, je sais pas si je peux vous montrer ça, attendez, je regarde un truc. Ouais, il n'y a pas le nom de famille, donc je peux vous montrer. Voilà, je vais vous montrer là. En fait, moi après, j'ai. Tout le détail de mes présences. Donc je vais vous le montrer vierge. Tic 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 tic. Donc voilà, j'ai une feuille par enfant. Voilà, une feuille et une feuille. Donc tous les jours, je vais aller noter tout. Comment vous dire? Je sais pas comment vous expliquer. Je vais faire comme ça. Voilà, là je marque tous les jours de la semaine. D'accord? Alors par exemple, ce petit garçon, il n'est pas là le vendredi. Vous voyez, j'ai pas mis vendredi. Voilà, je ne mets pas les vendredis. Je marque l'heure à laquelle. Alors là, je ne sais plus si c'est la nouvelle feuille. Tac, 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 tac. Ouais, je marque à la feuille. Oh, flûte! J'arrive plus ce soir. Je marque sur la feuille l'heure à laquelle il arrive et qu'il part. D'accord? Comme ça, vous avez réellement le nombre d'heures qu'il est. Je marque les indemnités d'entretien. Moi, je mets IE dans une colonne. Je vais pouvoir vous le montrer. De toute façon, je peux vous le montrer là parce que. Parce qu'il n'y a rien. Donc voilà, vous voyez, il n'y a rien, donc je vais vous montrer. Donc là, je mets IE, les indemnités d'entretien. Je mets 1-1. Ici, je mets l'heure à laquelle il arrive et qu'il part. Et ici, je mets le nombre d'heures à la journée. Voilà, comme ça, on sait à peu près. Donc le nombre d'heures à la journée, je marque les indemnités d'entretien. Et s'il y a des petites choses à rajouter, je le note ici. Par exemple, là, c'est la familiarisation. Donc par exemple, cette petite fille que je vais avoir, ben, que je commence à avoir en familiarisation sur janvier, vous voyez, il n'y a rien. Même si on a commencé le contrat au 21. Donc ici, on a fait la familiarisation. Donc du coup, je vais marquer midi 16h, 4h, un indemnité d'entretien. Et là, je marque le comment du pourquoi, c'est-à-dire la familiarisation. Je vais juste faire ça parce que je ne vous vois plus. Hop là, voilà, très bien. Et je fais ça pour tous les enfants. À quelle heure ils arrivent et à quelle heure ils repartent, le nombre d'heures dans la journée, s'il y a des indemnités d'entretien ou pas, parce que contractuellement, quand il y a des vacances par exemple, je marque quand même les 10 heures par jour et tout ça, sauf qu'il n'y a pas d'indemnité d'entretien, donc je marque 0. Je peux peut-être vous montrer l'exemple. Je vais essayer de vous montrer l'exemple sur celui-là. Par exemple,
Ouais, par exemple, là, vous voyez, j'ai. Je peux vous montrer entièrement ça. J'ai ici protocole Covid, d'accord? Protocole Covid, zéro indemnité d'entretien. Par contre, on maintient le salaire, donc 9. Et là, je marque sur la colonne observation, je vais marquer maintien de salaire car co protocole Covid. D'accord? Voilà. Donc là, je marque le nombre d'heures contractuellement prévues. Je marque le nombre d'indemnités d'entretien. Et comme ça, après, j'ai tout mon récap. Et cette feuille-là, je la fais signer. Bon, des fois, c'est plus simple. Hein. Des fois, c'est beaucoup plus simple. C'est voilà, c'est tout propre parce qu'il n'y a pas de changement. Et au fur et à mesure du mois, en fait, je modifie parce que je pré-remplis tout. Et quand c'est pas le cas, quand ça sort du contrat, eh ben, je mets un coup de typex, je raye et puis je refais. Et en fin de contrat, n'importe quoi, en fin de mois, je la refais toute propre. Alors, je pense que je vais vous en retrouver une ici. Voilà. Je la fais toute propre. Alors, ça, c'est des feuilles que vous pourrez retrouver sur Google en tapant feuille de présence assistante maternelle. D'accord? Après, moi, je la refais un petit peu à ma sauce. Je ne prends pas celle-là. Je la refais sur Word. Et puis, je prends les colonnes qui me vont bien. Donc là, par exemple, je vais refaire tout au propre pour qu'ils aient une feuille propre. C'est quand même plus sympa que d'avoir tout en raturé. Et souvent, le mois ne tombe jamais comme il faut. Donc, du coup, il y a toujours des petites annulations, des petits rajouts, des petits trucs, des petites modifications. Et en plus, en janvier, on est passé sur la nouvelle convention collective. Donc, les indemnités d'entretien changent. Donc, automatiquement, mes feuilles changent. Donc là, par exemple, je vais reprendre ces feuilles-là ce soir et puis je vais refaire mes indemnités d'entretien. Et mes heures de contrat, je vais reprendre toutes mes feuilles, sauf celle-là parce qu'elle est assez propre. Bon, de toute façon, la maman, elle l'a déjà eue. Et en fait, je vais la mettre dans les cahiers tous les fins de mois. Par exemple, je sais, là, nous sommes mardi. La fin de mois tombe le 31, c'est-à-dire lundi. Et lundi, je sais que de toute manière, une maman ne le fera pas avant le 31. Donc, je vais lui remettre la feuille vendredi à la fin de la semaine. Comme ça, elle me la signe pour me dire qu'elle est d'accord avec ce que j'ai marqué. Et elle me la rend, comme ça, moi, je la mets dans mes dossiers. Du coup, voilà. Moi, je fais toujours signer cette feuille de présence à la fin du mois parce que je trouve que c'est hyper important. Si on a un problème quelconque, au moins on a une traçabilité en disant, mais là, vous avez signé, en fait, vous étiez d'accord. Donc, pourquoi maintenant vous me modifiez? Voilà. Quand il y a des absences, je le note sur la feuille. Surtout les indemnités d'entretien, n'oubliez pas, vous ne mettez pas quand les enfants ne sont pas présents. Alors après, par exemple, moi, ma petite Mila, qui est arrivée le 21, donc vendredi dernier, et ben du coup, elle est venue que 4 heures. Donc là, par contre, mes indemnités d'entretien, je mets le plus bas. Je ne vais pas lui mettre le plus haut dans la mesure où elle est restée que 4 heures. Non, ça se fait pas. Ce n'est pas correct. Donc voilà pour la feuille. Déjà, je fais ça. Bon, vous voyez, mon calendrier, là, c'est n'importe quoi. C'est des ratures partout, c'est plein de choses, c'est n'importe quoi. Mais au moins, j'ai un gros sous-main et puis je mets mes petites feuilles avec une pince. Je sais pas comment ça s'appelle, pas comme ça s'appelle, mais c'est une petite pince comme ça. Et du coup, je clipse et j'ai mes feuilles comme ça. Et généralement, je vous ai tout apporté dans la chambre, là, mais ouais. Je le mets comme ça et tous les matins, je note et puis je le laisse debout comme ça avec tous mes dossiers, comme ça, je suis tranquille. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà, j'ai aussi mon petit que je vais clipser. J'aime bien l'avoir sous le coude parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui appellent pour garder les enfants. Et du coup, on peut leur donner des informations réelles. Donc ça, c'est la fin de mois. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire tout, tout, tout. Je vais essayer de vous prendre toujours ma petite poupouette là. Ma petite poupette. Ce que je fais, je crois que j'ai la feuille ici. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que là, c'est confidentiel. Donc c'est compliqué. Je prends toujours une feuille de couleur. Bah, j'essaye de faire de couleur, comme ça je vois, on sait que c'est quelque chose de particulier. Et en fait, par exemple, cette petite fille, elle est en familiarisation, ma petite Mila. Et du coup, qui dit familiarisation, dit qu'elle est venue vraiment pas beaucoup sur le mois de janvier. Elle est venue, donc, elle vient que 2 fois. Deux vendredis, 4 heures par vendredi. Du coup, bah, on passe sur un calcul de la cour de cassation, bien sûr. Donc, quand on passe sur le calcul de la cour de cassation, par exemple, sur cette fin de mois, donc la maman aura la feuille rose avec tout, 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 tout. Là, vous devez voir en transparence, avec tous mes calculs, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Et du coup, je vais reprendre aussi un petit peu les calculs, comme ça, vous n'allez pas être perdu. Et du coup, la feuille de présence plus la feuille de calcul de cassation. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Moi, je prends une feuille et sur la feuille, je vais essayer de vous montrer sans vous montrer les informations parce que ça ne vous regarde vraiment pas. Voilà. Sur la feuille, vous prenez une feuille et vous marquez tous les jours de la semaine, d'accord? Et tous les heures potentiellement, j'insiste bien, potentiellement, que l'enfant aurait dû faire au contrat. Cette petite fille vient 11 heures par jour. Donc, lundi 3 janvier, elle aurait dû faire
11h, d'accord? Elle n'est pas là le mercredi, je ne note pas le mercredi. Vous voyez, j'ai mis des zéros. Donc là, il faut bien que vous mettiez sur la feuille pour que les parents comprennent. Tous les jours, vous prenez le calendrier, vous marquez du 1er jusqu'au 31 ou du 30, selon le mois, et vous marquez toutes les heures potentiellement qu'aurait été fait au contrat. Et c'est très important, car c'est comme ça qu'on calcule la cour de cassation. Donc, moi, par exemple, je reprends mon exemple, j'ai 11h, 11h, 0, 11h, 11h. D'accord? Ça fait 44 heures semaine, on est bon. Quand vous ne savez pas, et que vous avez juste, par exemple, vous ne savez pas trop, vous avez juste 38h30, vous le divisez par le nombre de jours que l'enfant vient, et vous voyez combien ça vous donne, et vous le mettez tous les jours. Voilà, c'est tout simple. Si l'enfant il vient 45 heures semaine, mais que des fois il vient pas, vous savez, comment vous expliquer, ça fait quand même 44 heures semaine, mais par exemple, des fois c'est aléatoire, les parents, des fois ils savent pas quand le jour de congé il tombe. C'est pas grave, vous divisez par exemple ici par 4, et vous allez avoir une moyenne, et vous faites la moyenne, on s'en fiche, tant que au niveau de la semaine ça passe. Ou alors, vous le mettez au niveau de la semaine, on s'en fiche, vous mettez vos 44 heures, vos 20 heures, vos 10 heures, ce que vous voulez. Vous faites ça tout au long. Moi, je sais que c'est la cour de cassation, je mets quand la petite est là. J'ai entouré les 2 jours où elle était là, d'accord? Et je l'ai mis de côté. Après, ce que je fais pour mon calcul à cour de cassation, hop, je marque nombre d'heures potentielles. Alors, là, je vais faire comme ça pour vous montrer. Voilà, je fais comme ça, d'accord? Nombre d'heures potentielles et je note, je calcule tout les heures prévues au contrat. Donc là, par exemple, si on regarde toutes ces heures-là, je les calcule. Si c'est 45 heures semaine, sur le mois de janvier, il y a 4 semaines. Donc vous calculez 4 janvier, 4 semaines, janvier, 4 semaines, et vous faites par exemple vos 45 heures semaine, ou vos 35 heures semaine, ou vos 50 heures semaine, multiplié par 4. Et là, vous allez avoir un résultat qui, pour moi, par exemple, est 187, et je le note. Après, le nombre de jours potentiels. À vos crayons, vous comptez tous les jours, même si elle n'est pas venue. Potentiel, toujours potentiel. Vous marquez, moi ça me faisait 17. Donc là, j'ai noté mes 17. Vous marquez votre salaire de base. Le salaire de base, c'est le salaire net qu'il y a dans votre contrat de travail. D'accord? Vous le notez. Vous allez marquer en dessous, ensuite, le salaire de base net divisé par le nombre d'heures potentielles. Donc j'espère que vous prenez tous des crayons et que vous écrivez, que vous n'allez pas me poser la question en message privé, parce que très souvent, on me pose des questions dans les messages privés qui sont déjà dans mes vidéos. Les réponses sont déjà dans les vidéos. Donc il faut vraiment, vraiment que vous notiez tout ce que je dis. C'est ma tablette. Donc du coup, ça donne un montant. Par exemple, là, ça va donner 3,50 € 6. Les 3,50 € 6, c'est le montant par jour que je vais déduire au contrat, d'accord, de mon salaire net. Du coup, je marque à déduire et je vais marquer le nombre de jours que j'ai à déduire. Par exemple, là, c'était 17 jours. Je l'ai vue que 2 fois, donc ça fait 15 jours. Elle n'a pas été présente pendant 15 jours. Donc, je vais déduire 15 jours. On est d'accord? Donc, du coup, les 15 jours que je vais déduire, ça va me faire des nombres d'heures, d'accord? Je vais calculer le nombre d'heures des 15 jours. Donc, 15 jours, ça me fait 165 heures. Donc, j'ai calculé, hein. 11 plus 11 plus 11. Là, vous calculez, vous prenez tous les jours où vous n'avez pas vu l'enfant du mois. C'est surtout le calcul de la cassation. Donc, vous allez juste calculer le nombre de jours que vous n'avez pas vu l'enfant. Donc, moi, j'ai calculé 11 heures plus 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 11 heures. Là, je ne mate pas parce que j'ai entouré. Plus 11 heures, plus 11 heures, plus 11 heures. Là, je n'ai pas entouré. Et plus 11 heures. Et ça va vous donner un nombre d'heures. Donc, moi, ça faisait 165 heures. J'aurais dû l'avoir, les 165 heures. Je ne l'ai pas eu. Donc, du coup, plus à déduire 14 heures. Je réfléchis à quelque chose. Plus à déduire 14 heures. 165 plus 14. Pourquoi 14? 4 et 4, 8. Plus à déduire 14 heures. 179. Je réfléchis, pourquoi 14 heures? Je suis en train de réfléchir à quelque chose. 165 heures. Plus 14 heures. Plus à déduire 14 heures. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis plus à déduire 14 heures. 11 et 11, 22. Pourquoi 14 heures? Ça faisait 179 heures. Bon, je ne sais pas. Pourquoi 14 heures? Je ne sais pas. Donc, ça faisait 179 heures. Je ne sais pas pourquoi 14 heures. Je trouverai l'information.
Du coup, ça me faisait 3,50. Pourquoi 14 heures? Oh, ça me saoule. Allez, dure 15 jours. Ok. Ça me faisait 165 heures. 14 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ben oui. Et pourquoi plus 14 heures? +165 plus 14. Ça me faisait 15 jours à... Il n'y a pas de calculatrice ici, je suppose. Merde. 15 jours à 11 heures. Ça fait 150. 150 plus 11, 160. Bah oui, mais c'est bon. Bref, ça faisait 179. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je revérifie. Du coup, vous prenez ces 3,56, le montant que vous avez trouvé tout à l'heure en divisant le salaire net avec le nombre d'heures potentielles. Et vous allez... Pourquoi 14 heures? Non, mais ça me perturbe. C'est peut-être la différence entre les heures potentielles et les heures... Bref. Et du coup, ça va vous allez faire, donc vous allez multiplier ces fameuses heures, vous allez multiplier ces heures par le montant. Et une fois que vous avez le montant, eh bien, ça va vous donner le montant. Moi, par exemple, ça faisait 600 euros. Les 600 euros sont à déduire sur le salaire de base. Et du coup, vous allez avoir un salaire de base. On est d'accord. Et vous allez avoir un salaire de base. Et ce salaire que vous allez retrouver, donc vous avez votre salaire de base que vous retirez. Ce que vous avez trouvé en faisant le montant, les 3,56 par exemple, que vous multipliez par le nombre d'heures potentiellement faites. Ça fait 600 euros, je déduis mes 600 de mes 600, et là vous allez avoir un montant. Et c'est ce montant-là que les parents vont devoir vous payer. C'est ceux-là qui vont devoir vous déclarer. Et moi je note aussi les frais d'entretien. Donc du coup je marque salaire à déclarer, jour à déclarer, et là ils vont tout déclarer les parents. Ce n'est pas à vous de faire les déclarations. Les déclarations de page emploi plus, d'accord? Ce n'est pas à vous de les faire, c'est aux parents. Vous pouvez bien sûr regarder avec eux, mais ce n'est pas à vous de le faire. Vous faites une feuille avec un récap entier et c'est largement suffisant. Donc du coup, voilà pour par exemple ma petite Mila qui était en période d'adaptation. Je vérifierai les 14 heures, j'espère ne pas m'être plantée dans le calcul, mais normalement non. Normalement non, je vous le mettrai dans les commentaires s'il y a une petite coquille. Mais normalement non. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 14 heures en plus, mais bon, c'est pas grave. Tac, 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 tac. Après, nous allons avoir ce petit chouchou. Petit chouchou, il a un mois pas complet du tout, parce qu'en fait, il a été 2 semaines absent pour des raisons médicales. Ces raisons médicales, il n'y a pas eu... Alors, je reprends sa feuille. Il n'y a pas eu de... Alors, Mimi, c'est fait, Popo. Le voilà. Alors, il a pas eu... il y a eu un maintien de salaire. Parce qu'on était en protocole Covid, donc les 15 jours où il n'était pas là, j'enlève les indemnités d'entretien. Par contre, je maintiens, jeudi était là, je maintiens le salaire, parce qu'on avait un maintien de salaire sur le protocole Covid. Tout le reste ne change pas, il a été présent tout le reste, il a été présent tout le reste du mois. Donc du coup, lui, ça va être son salaire de base, avec ses jours de base, sans changer. Voilà, donc là, ça va être un salaire normal. Donc il n'y aura pas de feuille rose. Je vais juste marquer à la fin de mois, juste en dessous de ma feuille, là je sais pas si vous la voyez. Juste en dessous, je marque salaire de base et je marque le nombre d'indemnités d'entretien et je renote les indemnités d'entretien. Et les parents, ils ont juste à rentrer salaire de base, indemnité d'entretien. D'accord? Après, ils ont toujours à marquer nombre d'absences, 0, nombre de jours, bah, ils ont les nombres de jours travaillés. Nombre de congés payés, on met toujours 0 au nombre de jours congés, même si on en a. Ce que je fais aussi, ce que je fais, là je ne l'ai pas encore fait, de toute façon c'est le premier jour le premier mois de l'année. Je marque en dessous, vous savez, les enfants malades. Quand il y a les enfants qui sont malades et c'est déduit du contrat, du salaire, dans ce cas-là, parce qu'ils ont un certificat médical, dans ce cas-là, je vais marquer sur la feuille de présence, attention, sur les 5 jours où ils ont droit de me déduire. Du salaire pour maladie avec certificat médical, je vous le rappelle, je marquerai décompte jour enfant malade 1 sur 5 ou 2 sur 5. Comme ça, ils savent combien de jours il leur reste, les parents. C'est plutôt bien. Quand il y a les congés à prendre, c'est pareil. Je fais le décompte des congés payés sur la fiche de paye seulement, mais je vous en parlerai après. Pour mon troisième contrat. Mon troisième contrat, c'est une petite pépette qui a fait un mois complet. Généralement, elle fait toujours des mois complets.
elle a fait un... Je regarde en même temps ma feuille, elle a fait un mois complet, sauf hier ou aujourd'hui où elle était malade. Elle était malade pour faute de gastro. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Pas de certificat médical. De toute manière, les parents n'avaient plus de jours à me retirer. Donc, maintien de salaire. Maintien de salaire, eh ben, vous maintenez le salaire, vous enlevez les indemnités d'entretien des absences. D'accord? Donc là, ça va être un salaire complet. Avec des indemnités d'entretien moindres. Parce qu'on aura retiré 2 jours, 3 jours du coup. Lundi, mardi, mercredi. Ouais, ben lundi, elle est restée que 3 heures. On va pas lui faire compter ce vrai entretien. Même si j'ai lavé du linge, même si j'ai ramassé du vomi et j'ai fait des douches. Indemnité d'entretien, on les notera. Si, on va mettre 3 euros parce que c'est moins de 8 heures dans le barème. Moins de 8 heures, 3 euros. Et aujourd'hui, on n'aura pas parce que je ne l'ai pas. Demain, je ne l'ai pas, donc il n'y aura pas. Sur les 3 jours, on modifie les frais d'entretien. Et mon dernier contrat, celui-là. Donc celui-là, c'est un mois complet pour mon petit chat. Bah d'abord, j'ai déjà donné à sa maman. Oui, j'ai déjà donné la feuille à sa maman puisqu'il est parti en vacances il y a une semaine. Donc je ne l'ai pas pendant les 15 derniers jours de janvier. Et du coup, mois complet. Salaire de base du contrat, rien ne change. Les frais d'entretien, ils ont été mis en fonction de sa venue. On est bon. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il faut vraiment partir du basique. Et si vous faites ces fameuses feuilles de présence qui sont là, ça va vraiment vous aider. Vous aurez un support et faites un récap aux parents tous les mois. Moi, ce que je fais après, c'est que ils me montrent leur déclaration, pas tous, certains. Si je vois qu'au bout de 24 heures, j'ai la déclaration et dans ce cas-là, je vérifie. Page emploi, vous savez, vous pouvez vérifier. Et une fois que c'est vérifié, et ben d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai un modèle à vous montrer. Une fois que c'est vérifié, et ben je valide ou je valide pas. Si je vois que ma fiche de paye est bonne, j'imprime la fiche de paye et du coup, je la donne à maman pour signature et elle me la rend. Voilà. Et sur la fiche de paye, c'est là que j'allais vous dire, quand il y a des congés, je mets en dessous, vous allez voir, je vais essayer de vous montrer une fiche de paye. Vous voyez les parents, là, j'ai fait le récap, ils signent et ils me la rendent comme ça, moi, dans le dossier, j'ai cela. Sur les fiches de paye, pour prendre grosso merdo, voilà, là, il y a un petit encas spécialement réservé pour les congés et du coup, je note les congés, comme ça, les parents, ils voient ce qu'il leur reste. Donc, moi, j'ai à manger cette fiche de paye du page emploi, je joins à la fiche de paye la feuille comme ça et comme ça, j'ai mes 2 feuilles. Voilà, s'il y a des maladies, j'y mets les certificats médicaux à l'intérieur, comme ça au mois de janvier, j'ai tout janvier, vraiment tout, certificat médical, j'ai la fiche de paye, j'ai la feuille de présence, et là, on ne peut plus avoir de problème. Si on vous nous demande de ressortir le dossier de janvier, ben, je l'aurai et je l'aurai entièrement. Voilà pour mes fins de mois. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, et après on repasse sur un autre mois, donc je prépare mes feuilles, et puis on repart sur les chapeaux de roue. Je ne sais pas si c'est clair, donc j'ai pu faire avec vous. Donc le salaire de base, rien ne change. Pour ce qui est de la feuille de présence, c'est bon. Cours de cassation, c'est bon. Je vais juste vérifier ma petite coquille. Cours de cassation, et puis c'est tout. Je pense que de toute manière, il n'y avait pas d'autres cas. Sur le salaire de base, vous reprenez votre salaire prévu au contrat en net, évidemment. Vous leur marquez salaire de base et vous marquez le salaire prévu au contrat. Sur la petite feuille rose ou blanche ou bleue, on s'en fiche, sur une feuille. Sur la récap du mois ou sur le cahier directement. Moi, je vous conseille que s'il y a des absences, voyez direct vos droits et pas vos droits et faites en fonction. Parce que vous risquez de bloquer lors du contrat. Donc, par exemple, vous dites aux parents, OK, mais là, c'est maintien de salaire. OK, là, il y a déduction de salaire. Mais du coup, si on déduit du salaire, il vous reste ça, 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 ça comme jour. Donc, bien voir avec eux en amont, comme ça, quand vous faites votre fin de mois, tout est d'équerre, tout est bien. Il ne faut pas aller plus loin. Oui, je voulais vous montrer si j'avais. Je me suis arrêtée en cours de route, pardon. Si j'avais une déclaration que la maman m'aurait donnée à remplir et à vérifier. Après, je l'ai sur mon téléphone, mais alors, le papier que la maman me donne et que je vérifie si c'est bon au niveau des calculs. J'espère que j'aurai le temps. Demain, je vous montrerai le. Je vais vous montrer le. Ah, ça, c'est le contrat. Non. Pardon, excusez-moi, c'est très très dur la fin de journée. Bah non, j'ai pas d'exemple à vous montrer, donc tant pis. Peut-être ici. Peut-être sur celui-là, mon contrat le plus ancien. Peut-être, je sais pas.
Ah, j'aurais dû prévoir ça un petit peu en avance. Je suis désolée. Est-ce qu'elle m'avait envoyé un modèle? Je crois pas. Mais on va regarder. Allez, ah voilà. Ça ressemble un peu à ça. Vous voyez? Donc par exemple, là, période d'emploi. Et alors les parents vont devoir marquer la période d'emploi. La période d'emploi, vous marquez du 1er au 31 janvier. Date de paiement du salaire, essayez que ça soit fait. Là, vous voyez, c'est marqué le 6. Vous voyez, le 6, c'est long, hein, le 6. Le 6, c'est super long. Date de paiement du salaire, du coup, essayez que ça soit fait le 30, le 30 de chaque mois. Nombre d'heures, c'est le nombre d'heures prévues au contrat, d'accord? Nombre de jours d'activité, c'est les nombres réels de jours d'activité que vous faites. Jours de congé payé, vous mettez toujours 0. Salaire horaire net, donc là, c'est vos 3,50 de l'heure, par exemple. Le nombre d'heures majorées, donc c'est si vous avez des nombres des heures majorées au-delà de 45 heures, à partir de la 46e heure, là vous mettez votre nombre d'heures, d'accord? Non, au niveau de 35, 35, je vous dis des bêtises. Dès que vous avez des heures majorées, vous rajoutez. Les heures complémentaires, si vous en avez aussi, heures spécifiques, salaire net total. Donc du coup, là, vous mettez votre salaire prévu au contrat, en net. Ce qui est marrant, c'est que elle a mis du brut et pas du net. Mais bon, c'est pas grave. Montant de l'exonération au titre de... Bon, ça, c'est, ça se met automatiquement. Indemnité entretien, ils ont juste à rentrer. Non pas le montant, s'il vous plaît, pas le montant, je l'ai tellement vu. Mais le montant total, pas juste le tarif, pas le taux. Vraiment le total. Et après, c'est choisir l'enfant. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Et du coup, là, m'avait montré sur les premières fois ce que ça donnait. Donc, et après, vous gardez tout ça dans une pochette par enfant, c'est quand même mieux. Quand l'enfant part, vous mettez une pochette. Moi, j'agrafe ou je remets une trombone comme ça, là, les petites pinces comme ça, j'aime bien. Et je mets dans un gros dossier avec tous les contrats par ordre d'arrivée. Voilà, là, c'est ma fin de mois. Je pense que je vous ai dit un peu tout ce que je fais. Je ne fais pas plus, je n'ai pas besoin de faire plus. C'est très simple, mais il faut vraiment bien suivre vos contrats. Suivez-les bien, vous voyez, là, j'en ai 4. Mes petits bichons. Il n'y a pas mon fils dedans. Hein. Donc ça fait 5 contrats. Donc voilà, plus vous en avez, plus il faut suivre. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me faire un message. Je me ferai un plaisir de vous aider. Mais s'il vous plaît, déjà, regardez les vidéos. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Et j'ai énormément de demandes sur des choses que j'ai déjà expliqué sur mes vidéos. Et du coup, j'ai l'impression que les gens, par facilité, me demandent directement au lieu de regarder mes vidéos. Et ça m'embête un peu. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo de fin de mois vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des petits messages, des petits commentaires. Mettez le pouce, mettez des pouces, comme ça, moi, je vois si vous aimez ou si vous aimez pas. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Comme ça, vous verrez beaucoup plus de choses et ça sera beaucoup plus facile pour moi de vous répondre à des questions si vous êtes abonné. Je vous fais des bisous et puis on se dit bientôt, bientôt pour un live, pourquoi pas le mois prochain. À très bientôt. Je fais une toute petite aparté, bonjour tout le monde, je reviens sur la vidéo, je vais me mettre au montage, j'arrive, c'est juste que les 14h c'est bon, j'ai recalculé en fait, vu que l'adaptation se fait pas sur les 11h, sur les 2 jours, j'ai retiré le nombre d'heures où elle n'était pas présente, donc j'ai fait 11h moins 4h, puisqu'elle est présente 4h, et ça me fait 7h, sur les 2 jours ça fait 14h, donc je suis bonne. Donc voilà, n'oubliez pas surtout, faites pas la même erreur que moi hier, donc dans la vidéo que je vous ai fait hier soir, donc maintenant, à la suite de celle-là, j'avais un gros doute, mais en fait c'était bon, juste parce que la journée de 11h n'est pas faite en adaptation, en familiarisation, toute la journée. Donc vous enlevez bien les heures où votre enfant n'est pas présent. Donc par exemple, moi sur la journée de 11h, elle est venue que 4h, donc j'ai retiré 7h. Donc 7h sur les 2 jours, ça fait bien 14h. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite information parce que pour moi c'était important de vous donner l'intégralité. Donc je vais joindre à la vidéo, cette vidéo-là, qui sera la suite. Et voilà, comme ça je vous aurai répondu à ma petite interrogation et vous aurez le calcul complet de la Cour de cassation. Je vous dis à bientôt.